bon. On est satisfait. On voulait surtout ne pas craquer à domicile, mais ça faisait un moment qu'on avait du mal à gagner à domicile. On est content, c'est la première fois de la saison, on a enchaîné deux victoires, une à l'extérieur, une à la maison. C'est sûr, la cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est le bonus, hein. On ne va pas se mentir, on n'avait même pas demandé ce jour. On voulait la victoire, 4 points. Ils ont été le chercher, bravo à eux, ils ont tenu à la fin. Moi, je crois que c'est super pour le groupe parce qu'on l'a promis, on n'a jamais rien entre nous. On est peut-être l'équipe qui était condamnée par tout le monde en début de saison parce qu'on est les plus réactifs. Mais tous les matchs, on a dit, ce sera une finale pour nous. Et on verra à la fin de saison ce qu'on décidera. Autant à l'aller, ça avait été chanceux, vous nous disiez par téléphone cette semaine, autant aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on a été efficace sur la stratégie. On a bien occupé, c'est vrai qu'on a bien occupé l'espace et après on a profité de nos avants, on a réussi à les mettre à mal sur ça. Et puis voilà, et après notre défense, on a retravaillé certaines choses depuis le premier trimestre de rugby. Voilà, je crois que ça a été bénéfique, les joueurs sont heureux ensemble, ils ont su se resserrer et on a un super état d'esprit. Voilà, c'est une bande de copains qui galèrent la semaine, mais voilà, qui se donnent maintenant sur le terrain et ce soir dans le vestiaire. 5 points en plus au niveau du classement, c'est une excellente opération. Ah, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Je crois que c'est au moins ce point qui est pris ce soir, c'est le point qu'on a manqué contre Bourg-en-Bresse. Je pense que sur ce match, Bourg-en-Bresse est supérieur à nous, mais on aurait mérité le point de bonus défensif. Voilà, donc ça nous fait du bien dans la course avec tout le monde, avec toutes les équipes qui bataillent avec nous, mais la saison sera longue, il reste énormément de matchs. Donc on ne crie pas victoire, ce soir on savoure profondément avec le groupe et on ira chercher autre chose le prochain bloc qui est de ces matchs. Donc on va vraiment découvrir ce que c'est le système de Pro D2 et ce sera dur pour nous. On va travailler sur la récupération. Puis, voilà. Les tennis et les unionistes aujourd'hui, ils n'ont quasiment pas existé. Mais moi j'ai créé, surtout avec la composition d'équipe qui avait été faite, on sentait qu'il y avait l'objectif du défi avec certains joueurs de leur côté. Mais je crois que voilà, on a réussi à scorer sur nos temps forts, à début de match, ne score pas. Et c'est ce qui les fait douter à un moment donné. Et voilà, et après, ils ne marquent pas sur le coup d'envoi deuxième mi-temps alors qu'ils ont une occasion. On fait un très mauvais coup d'envoi, ça aurait pu se transformer sur un essai, à l'arrivée ça ne marque pas, tant mieux pour nous. Et voilà, je crois que ce soir, moi je dis c'est une belle équipe, depuis les matchs que je vois et je le dis depuis le début de la saison, Cognac n'est pas à sa place et j'en suis convaincu. Voilà, après l'accident arrive à tout le monde, ça arrive aussi.